Précédemment dans le loto Disney Guestland. Une nouvelle partie a commencé et 15 boules ont donc été tirées. Le nom de la gagnante de la partie précédente a été révélé. Félicitations Natalia Brass. Vous avez découvert le cadeau de la partie actuelle, un pot de miel à l'effigie de Winnie l'ourson qui provient directement des ruches de Disneyland Paris. Et un nouveau joueur est placé en ballottage. Comme d'autres précédents avant lui, il avait son carton complet mais n'a pas fait la déclaration à temps pour remporter la partie. Installez-vous confortablement, le tirage du 24 juin, ça commence tout de suite sur Disney Guestland. Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, je m'intitule Tony et j'ai l'immense privilège de présider une fois de plus le Loto Disney Guestland pour ce nouveau tirage. On continue la partie de la semaine dernière, comme vous l'avez vu en intro, avant de lancer le dé, de découvrir les boules, tout ça, tout ça. On va tout simplement découvrir la solution du personnage mystère de la semaine dernière. On va faire ça maintenant à chaque fois en début de tirage. Donc la solution détaillée et les joueuses et les joueurs qui ont remporté le fameux bonus complémentaire individuel le temps de cette partie. C'est parti! Redécouvrons d'abord l'énigme et avec les paroles, ce sera plus simple. Il n'y a pas de Leaky Queen, mais le Japlou qui s'est encore fait parrainer. Pour ma photo dans l'obscur vite et bien fait, il faisait noir dans ce pays d'Anaheim. Ma chère Elisabeth, ma reine, y'a le coin coin Trump qui braille vite. Une lampe 95 sautillante s'illumine. Au quotidien, c'est les poètes, poètes et la fête. Un bout de ferraille au bout du chemin qui s'allonnera. Pas une couronne, pas un burger, mais pourtant. Intemporel, tous en piste pour cette histoire éternelle. Fleurison, limonade, araignée, soupe, hacking. Bienvenue au printemps des radiateurs. Vous avez été très nombreux à découvrir le personnage mystère qui n'était autre que Flash McQueen. Et oui, déjà la chanson originale, Manhattan Kaboul, était chantée par Axel Red Red pour la couleur rouge, la couleur de notre voiture préférée, Flash McQueen. Et la vidéo était en rouge avec plein de flashs, tout simplement pour faire penser au prénom Flash, tout simplement. Il fallait voir ici la référence au mot Queen pour Flash McQueen. Le personnage principal du film Japlou, Pierre Durand, est interprété par Guillaume Canet, qui est le doubleur officiel de la voix française de Flash McQueen. Parrainer est un peu un synonyme du verbe pistonner, donc pistonner, piston, piston cup. Pour bien faire une photo, lorsque l'on est dans l'obscurité, il faut mettre le flash, et vite, parce que bah, flash, il va vite, dans l'obscurité ou dans le noir. Et le pays d'Anaheim, c'est la Californie, pour la route 66. Une référence à la reine Elisabeth, reine en anglais ça se dit queen, Flash McQueen, vous avez compris. Quand un canard crie et on dit qu'il queen, coin coin pour canard, Trump pour Donald Trump, Donald le canard. Et encore une référence à la vitesse. Et Donald Trump, il est né un 24 juin comme la date de sortie du film Cars en France. Une lampe qui sautille, c'est une référence à la fameuse introduction des films Pixar. 95 en français, ça se dit 95. 95, c'est le chiffre indiqué sur la voiture de Flash McQueen. Poète, l'onomatopée du klaxon. Un chemin, une route, un bout de ferraille, une voiture qui slalonne. Bref, du vocabulaire automobile. Couronne, toujours en référence à la reine. Un burger pour McDonald's. Mac pour McQueen. Et c'est tout simplement une histoire qui n'est pas figée dans une époque en particulier, tous en piste pour faire penser aux pistes de course de voiture. Prenez chaque première lettre de chaque mot ici et vous découvrirez le prénom du personnage, Flash. Radiateur, je sais pas comment ça se dit en anglais, mais printemps ça se dit Spring. Donc voilà, avec un mauvais franglais, on pourrait traduire Radiator Spring en le printemps des radiateurs. Bravo aux gagnants.
Cela s'additionne aux 20 bonus qui ont déjà été attribués la semaine dernière et qui sont exceptionnellement cumulables. Et oui, c'était facile, non? Donc en tout cas, vous avez quand même été nombreux à découvrir ceci et ça fait plaisir de voir à quel point ce jeu vous intéresse et vous donne envie. Merci encore à toutes et tous de participer au Loto Disney Guestland, d'être actif sur le groupe Facebook Disney Guestland. Si vous avez des remarques, des suggestions, des interrogations ou quoi que ce soit qui nous permettrait de nous améliorer dans ce petit jeu hebdomadaire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail tout simplement loto@disneygastland.com. Nous sommes très accessibles. Alors, c'est parti pour le tirage. Comme d'habitude, on va lancer le dé. On va découvrir si on va tirer aujourd'hui 6 boules, 7, 8, 9 ou 10. Qui sait, c'est le hasard. Le dé est ici. Alors, attention, suspense. On va le lancer 3 fois, comme d'habitude. Et c'est le chiffre 9. Vous en avez de la chance, on va tirer 9 boules, ce qui fera du coup 24 boules qui seront déjà tirées. Donc on est déjà à la moitié du lot de 50 boules pour cette partie au bout de 2 tirages. Donc c'est une chance. Donc il y aura peut-être un gagnant ou une gagnante ce soir. Les boules sont ici. Je vous le rappelle, la boule bonus que je vois ici n'a toujours pas été tirée. On ne sait jamais. Alors c'est parti, on va mélanger tout ça. On commence avec une boule de couleur violette avec un personnage que je crois que vous n'êtes pas très nombreux à avoir coché. Voici Dumbo, l'éléphant volant, donc qui est peut-être sur votre grille. Ce serait une chance. Je vous le rappelle, 9 personnages pour ce soir. Une boule jaune avec le personnage. Alors attention, et ce n'est pas un mensonge, c'est Pinocchio. Et oui, pas de langue de bois avec nous. On continue, il nous reste 7 boules pour ce soir. C'est une boule orange avec un personnage orange qui a déjà été découvert lors d'une énigme du personnage mystère. Vous l'avez découvert, hein. Vous avez compris, vous avez deviné. C'est Tigrou. On continue le tirage. Une boule de couleur violette. Alors attention, je sais, il faudrait pas parler de lui. On sait jamais ce qui pourrait nous arriver. Ne parlons pas de Bruno. Bruno, de la famille Madrigal. Et voilà, 4 boules ont été tirées. Tigrou, Bruno, Pinocchio et Dumbo. Il nous en reste donc 5. C'est une autre boule orange avec, avec le personnage de Joe. J'en profite également pour vous remercier pour toutes celles et ceux qui me rendent visite régulièrement à Disneyland Paris. Souvent vous venez me voir, vous êtes très sympathique, vous êtes très gentil, ça fait très chaud au cœur. Des fois vous êtes en train de parler du loto devant mes collègues qui ne comprennent absolument rien à cette histoire de loto. mais voilà, ça fait toujours plaisir et je suis très heureux de profiter de ces moments avec vous, qu'il soit virtuel ou réel. Donc on est à 5 boules, il nous en reste 4, c'est parti. C'est une boule jaune avec le personnage qui va vous rendre joyeux. C'est le personnage de joie du superbe film d'animation Pixar, Vice Versa. Les Pixar sont toutes magnifiques. Voilà, il reste donc 3 boules à tirer pour ce soir. Une boule violette avec le personnage
2. Attention, bon appétit à vous. Si vous avez deviné, Rémi du film Ratatouille. Il reste 2 boules, sauf si on tire la bonus, bien sûr, qui ne compte pas parmi les boules annoncées sur le dé. Une boule rouge avec le perso... Bon, je n'ai pas pu le cacher longtemps. Le personnage de Doctor Strange. Et la dernière... Une boule de couleur violette, encore. Et c'est le personnage qui devrait vous laisser sans voix. Le personnage d'Ursula. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Les personnages qui sont sortis lors de ce tirage s'affichent donc sur votre écran. Vous avez l'habitude, vous avez compris le mécanisme de ce petit jeu hebdomadaire que l'on fait déjà depuis 2 ou 3 mois. Déjà, ça fait en tout cas, voilà, je me répète, je sais, mais ça fait vraiment plaisir de faire ces petites animations, ces petites interactivités avec vous à chaque fois. Merci encore pour tout. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour un nouveau tirage et peut-être, qui sait, un gagnant d'ici là. Salut les amis, ciao! Pour bien vous imprégner des règles du jeu, en cas de doute sur celle-ci, ou encore pour revoir un précédent tirage, toutes les infos sur la FAQ qui est disponible sur disneygastland.com/loto. Vous y découvrirez également, si vous êtes nouveau, comment s'inscrire à ce jeu, et bien plus encore. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission.